Cher youtubeur de Leoncho Leo, nous sommes toujours à ville de Beni. Cette messe sera dite par l'archevêque José Moko Didiofa, accompagné par la délégation des évêques d'Afrique centrale. Cette messe est dite pour la paix et justice à ville de Beni. Cher youtubeur de Leoncho Leo, nous vous prions de suivre cette messe de paix et de justice des évêques d'Afrique centrale. Donc, l'Église, en tant que famille de Dieu, elle souffre avec nous. Et donc, c'est dans ces cas-là, c'est la question. Le Seigneur José Moko Ekangao, lui c'est le RAL ASEAC en sigle. Leur mission parmi nous, c'est de témoigner de leur compassion par rapport à la souffrance que nous cause encore la guerre et les massacres des populations. Nous sommes consolés car dans notre malheur, un cœur humain. Dans sa parole, Dieu nous rappelle aujourd'hui que le fruit de la justice, c'est la paix. À nous de coopérer à la volonté de Dieu de restaurer un monde où il fait beau vivre. Cette messe bien-aimée de Dieu aura les deux parties habituelles. D'abord, l'écoute de la parole de Dieu et ensuite la liturgie de l'Eucharistie. Ainsi donc, avec dévotion et plein d'assurance pour le retour de la paix, levons-nous pour le début de la messe, accompagné par le chant de la chorale. Shalom. Moi, à ce samedi 16 janvier, pardonne tous nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Pardonne tous nos péchés et qu'il nous conduise à la vie. Président de l'Association des conférences épiscopales de l'Afrique centrale et à la délégation qui l'accompagne, la bienvenue au diocèse de Boutembo-Béni.
et dans sa zone pastorale, ici à Béni, berceau de notre église locale. Cette zone pastorale connaît depuis plus de deux décennies une insécurité récurrente marquée par des enlèvements, des kidnappings et des tueries sauvages d'au moins 6 000 personnes. À ceux-ci se sont ajoutées l'épidémie d'Ebola et la pandémie de COVID-19 actuellement à sa deuxième phase. C'est dans ce contexte de crise sécuritaire et sanitaire qu'en vous souhaitant la bienvenue au diocèse de Boutembo-Béni, je vous accueille comme des messagers de l'évangile de la paix. Pour nos fidèles et leur communauté, ainsi que pour les peuples de cette contrée, tant meurtris par les massacres qui n'ont que trop duré, votre visite pastorale constitue un éminent geste de solidarité et une parole vivifiante de réconfort. Nous vous en sommes infiniment reconnaissants. C'est dans cet esprit de gratitude et d'action de grâce que nous voudrions participer à cette Eucharistie, tout en priant que la Sainte Vierge Marie, Mère de l'Église et Reine de la Paix, accompagne maternellement vos pas durant votre séjour dans notre diocèse et durant votre mission. Cela dit, je vous invite, Excellence Monseigneur le Président de la CEAC, à présider à cette Sainte Messe pour la paix et la justice, célébrée dans ce sanctuaire Notre-Dame de Guadeloupe, pour unir les joies et les tristesses, les espoirs et les angoisses de cette région martyrisée de Béni, au sacrifice ultime de Jésus-Christ pour la victoire de la vie sur la mort, du bien sur le mal, du vrai sur le mensonge et de la paix sur la violence. Je vous remercie. Yeah.
aujourd'hui, c'est 16 ans depuis son départ. Félicitations, ainsi que les acclamations de la foule de Sénégal. Frères et sœurs, shalom. 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 Frères et sœurs, je vous apporte les fraternelles salutations de toutes les chrétiennes et tous les chrétiens de l'archidiocèse de Kananga qui, à l'annonce de cette mission, ont promis de se mettre à genoux en prière pour sa bonne réussite selon la volonté de Dieu. Je vous salue aussi de la part de tous les évêques de la Synco et de la SEAC, de la Synco qui, en associant à cette mission, son vice-président et son secrétaire général, a voulu témoigner à Mgr Sécouli Melchizedek, lui-même membre de la Synco, et à tous les évêques de la province ecclésiastique de Bukavu, sa proximité et sa solidarité dans cette situation d'épreuve et de détresse innommable que vous traversez depuis déjà quelques années. Shalom. Monseigneur José Moko, toute la délégation qui nous accompagne et moi-même, venons à bénir. Écoutez, vous et dans la région en tant que messager de paix, ambassadeur de l'espérance, en tant que précédent comme des étoiles, l'aurore d'un nouveau matin. La mission de l'Église est donc la mission des pasteurs que nous sommes, c'est toujours et partout d'annoncer l'Évangile qui est la bonne nouvelle de vie, la bonne nouvelle de joie, la bonne nouvelle de salut, la bonne nouvelle de paix. La paix soit avec vous. C'est ainsi que les évêques commencent les célébrations. Parce qu'ils sont les sentinelles de la paix, parce qu'ils sont les messagers de paix, parce qu'ils sont porteurs de la paix. Avant de se passer de ce monde à son Père, Jésus nous a confié un secret et il nous a laissé un héritage à préserver, quoi qu'il en coûte. Le secret, c'est de nous aimer les uns les autres, comme lui-même nous a aimés. Et l'héritage, c'est la paix. Il vous a dit, en effet, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde vous la donne, et que donc votre cœur cesse donc de se troubler et de craindre. Je vous donne ma paix. C'est pourquoi l'Église parle toujours de la paix. L'Église est la maison de la paix. Elle est aussi la maison de l'unité. La paix, c'est le cœur de l'Église. La paix, c'est la mission de l'Église. Dès lors, ceux qui travaillent pour la paix, non seulement ils construisent l'Église, mais ils sont réellement Fils de Dieu et frère de Jésus-Christ. C'est pour cette raison qu'ils sont déclarés heureux de l'évangile que nous avons entendu. La paix est l'autre nom de Jésus. Parce que Jésus est la paix et la paix c'est Jésus. Dans l'Épître aux Éphésiens, nous disons en effet qu'il est notre paix. Rien ne vaut la paix. Et lorsqu'on l'a perdue, on sent bien que c'est comme si la terre se dérobait sous nos pieds. Rien ne vaut la paix.
Elle est la mère de tous les biens que l'homme puisse désirer. Comme la guerre est la mère de toutes les misères. Au fond du cœur de l'homme, qui qu'il soit, il y a le désir de la paix. Il y a le désir de la tranquillité. Il y a le désir de l'amour, d'aimer et d'être aimé. Même ceux qui font la guerre, ils savent que rien n'est plus précieux que la paix. Voilà pourquoi nous, chrétiens, nous avons une mission importante dans le monde, dans ce monde qui est en voie à la guerre, au conflit et aux divisions de tout genre. Nous avons une mission importante, la mission de prier, la mission de parler de la paix, la mission de vivre en sentinelle de la paix, d'être les veilleurs et les éveilleurs pour que les gens, les hommes, se rendent compte qu'ils ont besoin de vivre dans la paix. Le monde demande à être guéri du mal et de la pandémie de la guerre. Le monde demande à être guéri de la division qui engendre la guerre. Et c'est l'Église qui se charge de cette mission. Voilà pourquoi Jésus a prié pour l'unité des enfants de Dieu dispersés. Il est venu pour rassembler tous les hommes en une seule famille. Il est venu pour construire la paix. La paix entre les hommes et son Père. La paix entre nous, ses frères. Et pour construire la paix, l'Église dispose de deux ressources. La prière et le chemin. Ce sont deux forces. Aimer et prier. Deux forces terribles. Capable de faire des miracles. Il s'agit d'aimer sans limite jusqu'à donner sa vie et de prier sans se lasser, sans se fatiguer. Et à cet endroit, nous pouvons dire que c'était l'endroit privilégié pour que nous puissions le dire, l'exprimer. Et nous avons entendu en venant que tous les CV, toutes les communautés étaient en prière. Une neuvaine suivie de l'adoration. Priez sans cesse, nous a demandé le Seigneur. Priez en tenant notre mère dans ses. Comme un enfant qui tient sa maman dans ses bagnes en disant: mais maman, j'attends quelque chose. Mais maman, écoute-moi. Nous avons besoin, nous, de prier de cette manière-là. Nous devons voir la force et la puissance de la prière. Quelqu'un me disait: mais. Ceux qui n'ont jamais expérimenté la puissance de la prière ne savent pas de quoi il s'agit. Le rosaire, c'est une bombe atomique. La prière est une grande ressource pour la paix. Dieu n'est pas indifférent à notre prière. Il écoute et il agit. Il agit selon son temps, selon sa volonté. Ça, nous savons. Il écoute, nous en sommes sûrs, autrement il ne nous aurait pas dit de demander. Il nous aurait menti en nous demandant de prier, de le prier. Dieu nous écoute, même quand notre prière est fragile, même quand notre prière est timide, même quand notre prière est balbutiante, même quand notre prière est maladroite, même quand nous ne trouvons pas les mots. Exprimer ce que nous ressentons au plus profond de nous-mêmes. Il est le Dieu des pauvres. Il est le Dieu des misérables. Et c'est ce que nous sommes. La paix et la Kieskofu François Xavier Maroy, ambaye leo anasherehekea miaka 16 ya utumishi kama askofu. Pia ametusalimu sisi kama Wakristo na kutujulisha kwamba ni wengi kwa Kristo ambao wanajiunga nasi kwa sala kwa ajili ya amani ambayo imetukusanya hapa.
Na maskofu hao wanapofika hivi wanakuja kama wajumbe wa injili ya amani, injili ya maisha, injili ya furaha. Tena aliongeza kitukumbusha kwamba Yesu ametuachia siri na ujumbe aliporudi kwa Baba mbinguni, ametuomba tupendane kadiri yeye mwenyewe anatupenda. Na ujumbe ule ametuambia waziwazi, nawaachia amani, nawapa amani yangu. Amani ndio roho ya Iglesia, amani ndio utumishi wa Iglesia. Heri wenye kuleta amani, kwani wataitwa wana wa Mungu. Amani ni jina lingine la Yesu Kristo. Amani ndio tamaa au tumaini ya roho zetu. Vita ni chanzo cha magumu yote. Ulimwengu ambao tunaishi unahitaji uponyaji, kuponya vita kama vile tunavyoponya magonjwa. Sala na ukarimu ni kisima cha amani. Na askofu alishukuru kwa sababu alikuwa amesikia kwamba nasi wa Kristo ambao tunakusanyika hapa tumetaamisha siku ya leo tukisali kwa muda wa siku 9, yani novena. Ameongeza akituhakikishia kwamba Mungu anatusikiliza na kutimiza kadiri ya mapenzi yake. Na hata kama maneno yetu hayastahili, na hata kama tunakosa maneno ya kusema, yeye aliye Mungu wa wanyonge anatusikiliza, anatupatia amani inayotusaidia kuokoka moyoni. Kwa mwisho ametuambia kwamba wana wa Mungu ni wale walio rohoni mwa Mungu na ni washindi katika vita yoyote. Ni yale machache ambayo nawaza yanafasiria maneno ambayo tulisikia kwa Kifaransa. Et à présent, nous allons passer à la deuxième partie de notre célébration. Catholique porte bien son nom, parce que catholique veut dire universel. Donc l'Église est universelle, mais elle est aussi locale. Dans son organisation, nous avons ainsi tout ce qu'il y a d'universel au niveau de Rome, mais aussi tout ce qu'il y a de local dans un diocèse particulier. Mais pour plus de communion entre les structures centrales à Rome et les structures de l'Église locale, on a mis en place un certain nombre de structures et d'institutions. Au niveau des provinces ecclésiastiques, les évêques se rassemblent dans une même province, comme dans la province ecclésiastique de Bukavu, nous avons les diocèses qui correspondent à la configuration du Grand Kivu. Mais il y a aussi la grande concertation au niveau national. C'est peut-être celle-là que vous connaissez le mieux, qu'on appelle la SENCO. Donc, on est au-dessus de l'aspect purement provincial, on est au niveau national. Mais dans le monde entier, il n'y a pas de conférence, il n'y a pas nécessairement de conférence épiscopale nationale. Pour les pays qui ont moins de diocèses, ils peuvent s'associer à un pays voisin pour constituer une conférence épiscopale nationale. Pour le cas du Congo, la conférence épiscopale est constituée nationale des 47 diocèses du Congo. Après le niveau national, je passe au niveau continental, je vous dirai pourquoi. L'Église est constituée aussi dans les différents continents d'une structure représentative. Pour le cas de l'Afrique, il y a le symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar et on y ajoute des îles adjacentes. Ça s'appelle le Cheyam. Donc les évêques de tout le continent africain se retrouvent dans cette structure de concertation au niveau continental. Mais comme le continent est grand,
on l'a aussi subdivisé en 6 régions. Donc, il y a la région de l'Afrique de l'Est, qui regroupe les pays de préférence d'expression anglophone, l'Ouganda, la Tanzanie, la Zambie, le Kenya. Il y a la conférence des églises de l'Afrique de l'Ouest, où il y avait un côté anglophone et un côté francophone. Désormais, ils forment une même association d'églises de l'Afrique de l'Ouest. En Afrique centrale, à cause du nombre important des diocèses, il y a 2 zones de l'Afrique centrale. Il y a une zone Afrique centrale qui suit l'historique de l'évangélisation par les Français, et il y a une zone de l'Afrique centrale qui suit l'historique de l'évangélisation par les Belges. Du côté français, on a le Gabon, Centrafrique, Congo-Brazza, le Cameroun, le Tchad et la Guinée. Du côté de notre Afrique centrale, à cause du grand nombre de diocèses du Congo, il n'y a que 3 pays: le Congo, le Rwanda et le Burundi, dans lequel le Congo pèse un nombre de diocèses parce que le Congo a 47 diocèses, le Burundi n'a que 8 et le Rwanda n'a que 9. Donc quand nous parlons des associations de l'Afrique centrale, il y a la CERAC avec R pour le côté francophone suivant l'évangélisation française, et la CERIAC, c'est de cela qu'il s'agit ici. À la CERIAC, la présidence est rotative. Tantôt le Congo, tantôt le Burundi, tantôt le Rwanda. Et chaque mandat est de 3 ans, renouvelable une fois. Pour le moment, le président de la CERIAC a été présenté par le Congo, parce que c'est au tour du Congo d'animer la CERIAC. Et le Congo a présenté l'archevêque de Kananga à la présidence de la CERIAC. Il en a pour 3 ans, renouvelable une fois. Avant lui, il y avait le Rwanda. Avant le Rwanda, il y avait le Burundi. Et avant le Burundi, il y avait le Congo. Donc après, probablement 6 ans, ça sera le tour du Burundi. Quant au secrétaire général, il est toujours du Congo parce que la CERIAC a son siège au Congo, notamment à Kinshasa. Voilà pourquoi c'est le Congo qui m'a aussi présenté comme secrétaire général de la CERIAC sur avis de mon évêque, archevêque de Kisangani. Alors cela, pourquoi cette mission conjointe CENCO-ACEAC? Beni Butembo est un diocèse du Congo. Donc c'est d'abord un problème pastoral de l'évangélisation au Congo. Mais étant donné la dimension des conflits que traverse l'est du Congo, il y a des facteurs régionaux. Tout n'est pas de la responsabilité des facteurs endogènes. C'est ainsi qu'il a été convenu entre les 2 conférences régionales et nationales de ne pas oublier la dimension régionale de ce qui se passe aux frontières. Parce que ce que les évêques vont entendre pour solidarité et communion devront aussi amener les réflexions dans les pays voisins au cas où certaines dimensions relèvent de ce pays-là, afin qu'une solution durable soit trouvée aux souffrances que traversent les peuples et les populations de l'Est du Congo. Voilà, cette dimension régionale du conflit amène une solution régionale de l'évangélisation. Shalom. Shalom. Pour avoir fait qu'aujourd'hui, le monde entier comprenne que le pays ne mérite pas ça. Voilà pourquoi les hommes de Dieu, à travers l'Afrique centrale,
Oh, jugez-moi de venir au martyr avec nous. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup pour le soutien moral et spirituel que vous apportez au peuple de Béni. Notre évêque a parlé de plus de 20 ans de souffrance. Ça n'est plus trop. Et nous sommes exacerbés. Ni de telle force et de vie, on ne serait pas peut-être là. Et nous croyons fermement à Dieu et aux prières laissées à travers le monde. C'est pourquoi même vous nous pouvez en train de rayonner de joie. Nous avons la joie et nous vivons la joie dans le Seigneur. Mais voir ce qui se passe dans la région, nos figures ne seront pas rayonnantes. C'est cet espoir-là que nous avons et qui nous fait vivre à Jésus. Nous allons continuer à demander au monde entier à travers vous de nous soutenir par tout le monde. C'est pourquoi, au nom du peuple, au nom de la population ici représentée, nous vous souhaitons la bienvenue à Béni, Béni-Ville. Dans les diocèses de Boutemou Béni, et c'est plus Béni, le Béni territoire qui souffre beaucoup plus, mais toute la région est en difficulté. Mais nous croyons fermement que Dieu ne va pas nous abandonner et qu'il va nous faire grâce. Je voudrais souhaiter joyeux anniversaire à Monseigneur l'archevêque de Bukavu, pour avoir choisi la ville de Béni pour célébrer le 16e anniversaire. Nous comptons aussi la prière et l'intervention de Dieu. Prions pour notre armée, prions pour notre gouvernement, prions pour les autorités provinciales et locales. Priez également pour l'Église. Merci. Chers youtubeurs de Lonjoléo, vous venez de suivre la messe de paix et de justice. Moi, je suis Mpenzi Manzekele pour Lonjoléo Télévision.